Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne. Salut, heureuse de vous retrouver. Je suis très contente, je me trouve à Rome et j'ai décidé de partager ce petit séjour avec vous pour vous faire voir comment Rome est une belle ville que vous pouvez vous balader, vous pouvez vous promener. Vraiment, ne perdez vraiment pas de vue cette vidéo parce qu'elle va vraiment vous donner des petites idées, des petites astuces. Rome est une très grande ville, il faut beaucoup d'années pour la connaître, mais c'est pas grave. Le peu que j'aurai à faire, je vais le partager avec vous. Sur ce fait, restez scotchés, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre des pouces. Bye bye et à tout à l'heure. De Rome est le berceau du christianisme en Europe et dans le monde entier. Une très grande ville touristique à venir visiter. Pensez-y, même pour une balade, même pour un séjour, pourquoi pas des vacances. À chaque pas que vous aurez à faire sur les rues de Rome, vous trouverez une église. Au centre de cette ville, vous y trouverez le Vatican, qui est situé au cœur même de la ville. Les papes, au cours des siècles, avaient une très grande influence sur la ville. Et c'est pour cela qu'il construisait ces grandes églises et de ces nombreux édifices religieux qui embellissent toute cette ville. Aujourd'hui de dire le nombre exact d'églises qu'il peut y avoir dans Rome, mais une chose est sûre, vous n'aurez pas assez d'un seul séjour pour toutes les visiter, car on parle de plus de 600 églises. On ne peut vraiment pas s'ennuyer. Si on est chrétienne, on passera le temps à prier dans les églises sans se rendre compte que le temps passe. Rome est la troisième destination touristique la plus visitée d'Europe derrière Londres et Paris. L'Éternelle est l'une des plus belles villes du monde et fréquentée par les touristes depuis le 18e siècle. Le siège de la papauté et le pèlerinage de Rome en font un lieu incontournable pour les chrétiens du monde entier. Depuis des siècles, vraiment, je vous assure. Les musées du Vatican et le Colisée sont parmi les sites les plus fréquentés. Rome est aussi l'un des plus grands sites archéologiques du monde et compte également de nombreux ponts et fontaines. Nous avons vraiment beaucoup d'églises. Je crois qu'on peut arriver de 600 à 900 églises à Rome.
C'était juste pour vous faire voir l'intérieur de quelques églises de Rome. Il y en a aussi des musées, il y en a aussi des basiliques. Moi, je me suis fermée juste au niveau des églises. Toutes ces églises sont bien faites. Ils sont vraiment des œuvres d'art de l'Antiquité. Pensez-y à venir faire un tour. Là, je vous ai fait voir quelques églises et je vous demande si vraiment vous avez la possibilité, venez-y. Parce que vous n'allez pas vous ennuyer, vous n'allez pas voir le temps passer. Je me suis arrêtée devant la Vierge Marie, j'ai prié aussi pour vous. N'hésitez vraiment pas à faire un tour à Rome. C'est une ville unique. Alors de ce fait, continuez à me suivre. Je vais vous faire voir d'autres endroits. Je vous répète, si je dois vous montrer Rome, je dois habiter ici et il va falloir un siècle. Au revoir et à la prochaine vidéo. Bye bye.